Mr. Prime Minister of Qatar, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre de la République française, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, now I am going to switch to French, to the French language. So I hope that the simultaneous translation is going to work well, and I am sure. So, please show me when it seems to work. Of course, there are those who can speak all languages. Ça a l'air de marcher? Oui? La 9e édition de la World Policy Conference commence 12 jours après l'élection du 45e président des États-Unis d'Amérique. Le résultat de cette élection a stupéfié le monde. C'est que le monde, à commencer par les élites, tant américaines qu'européennes, aveuglées par des certitudes, n'était pas psychologiquement prêt au succès de Donald Trump. Ces élites, auxquelles participe la grande majorité des médias, commentateurs et chercheurs occidentaux, n'ont pas su interpréter les forces profondes qui, pourtant, depuis des années, aux États-Unis, traversent aussi bien les démocrates que les républicains. Pour elles, ni Bernie Sanders ni Donald Trump ne représentaient vraiment leur Amérique, celle de Harvard et de Washington, ou même de Hollywood. Leur arrivée au pouvoir était tout simplement inconcevable. Comme la plupart d'entre nous, j'ai toujours admiré l'attachement du peuple américain à une constitution qui en est même le signe identitaire le plus fort. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est moins le résultat de l'élection du 8 novembre que le niveau souvent dégradant de la campagne électorale qui l'a précédée. C'est aussi que le système a permis la victoire d'une personnalité sans la moindre expérience politique. C'est la possibilité que les Américains pourraient se mettre à douter de leurs institutions. Nous n'en sommes pas encore là, mais certains parlent d'une crise de la démocratie dans la première puissance mondiale. Cette crise, seulement latente jusqu'à la défaite d'Hillary Clinton, n'est pas seulement américaine. Elle est occidentale, si l'on entend par Occident la partie du monde, principalement en Europe et en Amérique du Nord, qui a le plus été influencée par la période des Lumières et qui a engendré l'idéal de la démocratie libérale. Longtemps, la démocratie libérale a paru une condition nécessaire pour le succès à long terme du développement économique et social. Cette perception est aujourd'hui mise à mal. L'idéal de la démocratie libérale inspire de moins en moins le reste du monde depuis les échecs de la transition post-soviétique et du très mal nommé printemps arabe. C'est une réalité qu'il faut regarder en face. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique. La mondialisation libérale a apporté d'immenses bénéfices partout sur la planète. Par exemple, les Chinois sont les premiers à le reconnaître pour ce qui les concerne. Mais ces bénéfices ne sont pas bien répartis et les ravages de la pauvreté et du déracinement se sont eux aussi étendus globalement, y compris aux États-Unis ou en Europe. La colère contre les inégalités, contre l'explosion des inégalités, les revenus non gagnés ou la corruption est un phénomène général qui contribue grandement à expliquer le rejet des élites. Ce n'est pas un hasard si la montée des démocraties illibérales s'accompagne fréquemment de dispositifs de lutte contre la corruption. Face à ce diagnostic, à mon sens peu contestable, nous autres occidentaux sommes moins bien placés que jamais pour donner des leçons au reste du monde, même si nous avons le droit et à mon sens le devoir de défendre nos valeurs et de corriger nos erreurs.
le risque est devenu sérieux que la dérive populiste des démocraties ne conduise à la montée des nationalismes, donc au rejet de l'autre et au retour d'un processus de fragmentation politique et économique du monde. L'histoire du XXe siècle doit nous mettre en garde contre les conséquences dévastatrices d'un tel processus. Ainsi, me paraît-il indispensable de résister à la tentation protectionniste. L'objectif de la libéralisation des échanges doit être poursuivi sur une base de réciprocité et en veillant à mettre en place des politiques de compensation conçues pour le long terme au bénéfice des parties perdantes. Ce n'est pas seulement une question de morale. La désintégration économique et sociale est la cause la plus fondamentale des migrations incontrôlées, des vagues de réfugiés et du terrorisme. La compensation des perdants doit aussi devenir un objectif commun fondamental pour la politique internationale. Les difficultés pour l'atteindre sont manifestement considérables. J'ajouterai, dans le même esprit, que l'intégration européenne doit se poursuivre. Il faut prendre note, il faut prendre acte du Brexit et en tirer positivement les leçons. L'approfondissement de la construction européenne est une question fondamentale pour les Européens eux-mêmes, mais aussi pour le monde entier, qui souffrirait dramatiquement d'un retour en arrière, comme il souffrirait aussi d'éventuels soubresauts dans d'autres parties du monde. Je pense typiquement à la Chine. Un monde multipolaire doit reposer sur des entités régionales fortes et coopératives. Là encore, il ne faut pas oublier les leçons des tragédies du XXe siècle. La poursuite de la construction européenne est d'autant plus importante que l'avenir de l'OTAN est ouvertement en question. Pendant la campagne électorale, le candidat Donald Trump a choqué les élites transatlantiques en la qualifiant d'organisation désuète. Pourtant, dès 1991, c'est-à-dire dès la chute de l'Union soviétique, la question de la survie de l'Alliance atlantique à la disparition des conditions qui l'avaient fait naître était posée. Quoi que l'on pense des causes de la dégradation des relations des pays occidentaux avec la Russie depuis le début de l'extension militante de l'Alliance vers l'Est, il était évident que les enjeux géostratégiques avaient changé de nature pour les États-Unis et que tôt ou tard, cela apparaîtrait au grand jour. Le candidat Trump a bousculé la petite communauté des penseurs de la stratégie otanesque en soulevant brutalement le problème. Le président Trump le traitera certainement avec davantage de retenue que dans ses discours de campagne, mais on a peu de chances de le voir reprendre le flambeau des néoconservateurs et de pointer la Russie comme le principal fauteur de troubles de la planète. Tous ces développements pourraient, et à mon sens devraient, conduire à une actualisation de l'organisation de la sécurité européenne. Parmi les autres grands problèmes, je citerai encore l'Asie de l'Est, alors que le leader nord-coréen joue à des jeux de plus en plus dangereux, avec pour conséquence possible une déstabilisation majeure de la région. Et naturellement, le Moyen-Orient, dont l'avenir ne peut être refondé sur des bases solides qu'au prix d'un accord politique entre les principales puissances concernées, y compris à l'extérieur, naturellement, les États-Unis et la Russie. Qu'il s'agisse de l'Europe au sens large, de l'Asie de l'Est ou du Moyen-Orient, seuls seront viables des accords élaborés dans le cadre du droit international, donc des Nations Unies. C'est également dans ce cadre que se poursuivra l'apprentissage de la cogestion de la planète Terre, auquel on veut croire que le président Trump finira par adhérer. Un quart de siècle après la fin de la guerre froide, le temps n'est plus de rêver à une mondialisation naïve, à la fin de l'histoire. Mais
Il faut apprendre à mieux vivre avec la mondialisation réelle, c'est-à-dire avec un degré d'interdépendance appelé à s'approfondir encore considérablement si l'on en juge par les nouvelles vagues d'innovation technologique qui se profilent devant nous. Comme les précédentes, ces vagues sont riches de promesses, mais aussi de dangers. Faute d'une gouvernance suffisamment robuste pour assurer la stabilité structurelle du système international dans son ensemble. Pour surmonter les inéluctables épreuves à venir et maintenir un monde raisonnablement ouvert, nous devons tous le vouloir et travailler les uns avec les autres dans l'écoute et le respect. Nous devons résister à la tentation omniprésente d'exporter nos idéologies. Il est naturel que chacun défende ses intérêts domestiques, mais chacun doit aussi, sans esprit de conquête, prendre sa part de responsabilité dans la cogestion de son environnement et à la limite de la planète tout entière. Mieux comprendre et faire partager cette conviction est la raison d'être de la World Policy Conference. Le programme de cette 9e édition de la World Policy Conference est particulièrement chargé, à l'image de la complexité de la situation actuelle. Nous nous réunissons cette année dans une région où, pour des raisons autant géopolitiques que géoéconomiques, se joue en partie l'avenir à moyen terme de l'humanité. As founder and chairman of the World Policy Conference, I would like to thank the state of Qatar for having expressed its interest in our work by being our partner for this event. I would like to place it, this event, with the agreement of all of you under the sign of hope. And now it is my great honor and pleasure to leave the floor to His Excellency, the Prime Minister of Qatar. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام يسعدني في البداية أن أحييكم ورحب بكم في الدوحة للمشاركة في مؤتمر السياسات العالمية 9 كما يطيب لي أن أشكر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر لعلنا ندرك جميعا أن عالمنا المعاصر يعيش مرحلة غير معهودة يزخر بالتحديات الجسيمة التي تواجه الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في ظل استمرار اختلال النظام العالمي الذي يعاني من ازدواجية المعايير في معالجة قضايا الشعوب وعلى الرغم من ذلك علينا أن نسعى بقوة إلى الاستفادة القصوى مما تحقق في مجال التقدم العلمي واستثمار نتائج البشرية في كافة نواحي الحياة الذي من خلاله انعدمت إمكانيات العزلة لأي دولة والابتعاد عن المحيط الدولي ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي والتنسيق والشراكة الحقيقية بين الدول وعلى المستوى الإقليمي والدولي بين الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني الحضور الكرام إن تحقيق الاستقرار والأمن الجماعي يتطلب من القوى الفعالة في المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الالتزام بالشرعية الدولية وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية والتغيير ويظل التحدي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط
ما تواجهه عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من صعوبات وعقبات يصعب بل يستحيل معها تحقيق السلام والاستقرار المنشود في المنطقة إلا من خلال الالتزام التام من قبل إسرائيل بأسس ومبادئ عملية السلام وفقاً لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية. إن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يهدد كافة محاولات السعي نحو تحقيق وترسيخ الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم. وفي هذا الإطار لا تزال الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق على يد النظام السوري الحالي تلقى تأثيرات كارثية على مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتي تهدد الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في المدن والقرى والأحياء في سوريا من قبل النظام السوري لوقفنا حائرين أمام البعد الشاسع بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي، ولا شك أن استمرار هذه الأزمة بات يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بفرض تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار لحماية الشعب السوري من القتل والتشرد. والحديث عن سوريا يحتم علينا بطبيعة الحال أن نشير إلى أزمة إنسانية تفرض على جميع الدول بذل جهود مضاعفة لمعالجتها، وهي أزمة اللاجئين والنازحين السوريين. ونؤكد هنا على ضرورة قيام المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة بتحقيق المنظور الشامل لتسوية الصراعات بدءا من الوقاية عن طريق الوساطة الهادفة إلى منع تفاقم النزاعات إلى صراعات، مرورا بحملة بمرحلة إدارة الصراعات والتوصل إلى تسوية تبنى على اتفاقات السلام الشاملة، تليها مرحلة استدامة السلام والاستقرار. السيدات والسادة، أضحت ظاهرة الإرهاب تشكل تهديداً خطيراً ومحدقاً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتنموية. وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب فلا بد ألا تقتصر على جوانب الأمنية رغم أهمية القصوى، بل يجب أن تكون مواجهة جماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تشمل النواحي الثقافية والفكرية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وفي هذا السياق نحن ندرك جميعاً مدى الحاجة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب، فهم مستقبل الشعوب والأمم، ولن تتحقق هذه الاستفادة على وجه الأمثل إلا من خلال حمايتهم وتحقيق أمالهم وطموحاتهم، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لتوظيف كافة الأدوات المناسبة للتعامل مع مشاكلهم كي لا يكون فريسة سهلة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية. السيدات والسادة الضيوف الكرام، إن العالم لا يزال يبحث عن إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معدلاته كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار الذي تطلع إليه الشعوب. وفي هذا الإطار يتعين مواجهة تحديات التنمية وتجاوز مخاطرها وأثارها السلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي وبخاصة في الدول الأقل نمواً، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات المائية بكافة أشكالها، بما يفتح الأمل أمام شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وفي هذا السياق فإن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن العديد من المناطق من العالم. وأشير هنا إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للتقارير الدولية والإقليمية وبخاصة في العديد من المجالات كالتعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متميزة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله، وحرص سموه على تحقيق تطلعات الشعب القطري في كل مناحي الحياة. وسنواصل في قطر التطوير الدائم والنمو الشامل
والسير في هذا النهج بإرادة راسخة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية ذات الصلة لترسيخ دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والانفتاح في علاقات الخارجية وفق أسس ومرتكزات قوية أهم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقاً لقواعد الشرعية الدولية والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان والتمسك بضرورة تسوية المنازعات والطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى سيدات السادة والضيوف الكرام نحن ندرك أهمية القضايا والموضوعات التي حوتها محاور هذا المؤتمر بالنظر إلى المتغيرات السياسية التي يعيشها العالم وبينها ما يشهد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن لذا فإننا ننظر إلى النتائج التي ستنتج عنها مناقشتكم بقدر كبير من العناية لتحقيق الهدف المنشود في هذا المؤتمر من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم وفي الختام أكرر الترحيب بكم في دوحة متمنيا لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être ici parmi vous à Doha ce matin, d'avoir l'occasion de vous faire part de mes réflexions sur les perspectives du Moyen-Orient, cette région qui concentre aujourd'hui plus que jamais la plupart des grands défis auxquels l'ensemble de la communauté internationale doit faire face. Je voudrais d'abord rendre hommage à l'Institut français des relations internationales pour l'organisation de ces World Policy Conference. Elle est devenue au fil des ans un rendez-vous important et un moment de promotion, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, d'un monde de dialogue, un monde d'échange, et j'exprime tout particulièrement ma gratitude au Président Thierry de Montbrial. Excellences, Monsieur le Premier ministre, il y a presque un mois, s'est éteint Son Altesse Cheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, qui a tant contribué à l'amitié franco-qatarienne. Permettez-moi d'honorer sa mémoire et vous dire que la France partage la tristesse du peuple qatarien. Le Qatar et la France sont confrontés comme la communauté internationale à un monde incertain. Un monde incertain, parce que de plus en plus les enjeux relèvent d'une logique planétaire où rien n'est possible sans l'action de tous. C'est particulièrement le cas pour la préservation de l'environnement. Un monde incertain parce que l'efficacité de chacun dépend de l'action collective, c'est l'interdépendance, je pense à l'économie, je pense au commerce international, je pense aux enjeux de sécurité. Un monde incertain parce que la volonté de quelques États de s'affirmer sur la scène internationale ou de renouer avec l'expression d'une puissance passée remet en cause des équilibres qui avaient un peu vite été considérés comme définitivement acquis. Un monde incertain, enfin, parce que soumis à la menace globale d'un terrorisme qui se joue des frontières et impose une guerre nouvelle et qui frappe nos États, qui frappe nos sociétés en leur cœur en combinant l'idéologie la plus rétrograde et les méthodes les plus barbares aux technologies les plus modernes. La France, vous le savez, a été frappée à plusieurs reprises et encore le 14 juillet dernier, le jour de sa fête nationale, par des attentats meurtriers. Nous n'oublions pas l'élan exceptionnel de solidarité venu du peuple entier, du monde entier,
les rassemblements populaires, les monuments illuminés aux couleurs du drapeau français, comme au Qatar, les nombreux dirigeants exprimant leur solidarité. Le peuple français a été extrêmement sensible à ces témoignages, et j'exprime ici ma gratitude depuis Doha, au cœur de ce monde arabe, qui paie, et de très loin, le plus lourd tribut au terrorisme de Daesh. Car la France n'est pas la seule à être frappée. Le terrorisme a touché New York, Boston, San Bernardino ou Orlando. Il a fait des ravages à Paris, Nice, Bruxelles, mais aussi à Istanbul, à Kaboul, à Bagdad, à Dakar, à Sirte, à Tunis, à Bamako, à Niamey, à Tel Aviv, à Ouagadougou ou à Abidjan. Cette liste macabre n'est hélas pas exhaustive, même si elle est déjà beaucoup trop longue. Nous en connaissons tout le paradoxe. La majorité des victimes de ces terroristes qui se revendiquent de l'islam sont des musulmans. Cette menace, mesdames, messieurs, elle est mondiale. Notre réponse doit l'être tout autant. La France et le Qatar, et avec eux l'Europe et les pays du Golfe, ont ensemble un rôle essentiel à jouer dans ce combat. Face au désordre du monde, la seule réponse consiste à unir nos forces, à faire preuve de solidarité, à trouver des solutions collectives à des problèmes communs. Nous devons continuer à agir, agir sans relâche, agir en restant fidèles à nos principes, ne jamais nous résigner, c'est la conviction de la France. Pour cela, nous avons besoin d'un partenaire américain ouvert au monde, pleinement engagé, jouant la carte de la coopération avec ses alliés et celle du multilatéralisme, sans lesquels il est illusoire de penser répondre aux enjeux globaux auxquels nous sommes tous confrontés. J'ai cité la lutte contre le terrorisme, et il y en a tant d'autres. Le dérèglement climatique, la gestion des flux migratoires, la sécurité collective, le développement durable. Nous travaillerons avec le futur président américain parce que les États-Unis sont un pays ami de la France et parce que notre coopération est indispensable. C'est la raison pour laquelle le président de la République française a tenu, dès les premières heures, à établir un dialogue avec Donald Trump pour faire en sorte que les doutes née d'une campagne électorale trop polémique, soit rapidement levée, pour favoriser, malgré certaines divergences, une coopération solide avec la nouvelle administration. Il n'y a pas de temps à perdre, et je me réjouis qu'à l'occasion de son entretien avec François Hollande, Donald Trump ait affiché une volonté claire de travailler avec la France. Mesdames et messieurs, ce qu'il nous faut à tout prix éviter, c'est l'aventure isolationniste, l'unilatéralisme ou une forme de rupture avec ce qui constitue en fin de compte un état de droit international. Partout surgissent les nationalismes qui, à force de glissements progressifs et incontrôlés, pourraient aboutir à des chocs brutaux dont l'histoire nous a enseigné les dangers et les conséquences dévastatrices. Plus que tout autre continent, l'Europe peut en témoigner. Et pour l'Europe, qui, ne l'oublions pas, demeure la première puissance économique du monde, cette incertitude qui accompagne l'arrivée d'une nouvelle administration américaine est un encouragement à prendre encore plus son destin en main. Même après le Brexit, je dirais même encore plus après le Brexit. En tout cas, c'est ce que la France souhaite. Lorsqu'elle plaide, par exemple, pour des avancées dans le domaine de la politique européenne de défense et de sécurité. C'est également son objectif lorsqu'elle est à l'initiative pour que l'Union européenne renforce le contrôle de ses frontières extérieures. Les lignes sont en train de bouger en Europe. Comme en témoignent les décisions récentes des ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense sur la question de la défense européenne. Et souvent, les propositions sont faites conjointement avec l'Allemagne,
car la France et l'Allemagne, qui représentent à elles seules près de 50% du PIB de la zone euro, ont un rôle historique, économique, politique majeur à jouer pour entraîner et convaincre les Européens de continuer à construire et à bâtir un projet fort. Mesdames, Messieurs, ensemble, sur la scène internationale, nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas impuissants. L'accord de Paris sur le climat en est l'illustration. Lorsqu'il s'agit de répondre aux grands défis universels, nous sommes capables de trouver des solutions responsables. La COP 22, qui vient de commencer vendredi dernier à Marrakech, sous la présidence avisée de ce pays, permet d'engager résolument la mise en œuvre de ce cadre global pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Et c'est avant tout une chance, la chance de transformer nos économies vers un modèle sobre en carbone, la chance de promouvoir l'innovation, la chance de favoriser des comportements plus responsables et plus solidaires au sein de nos sociétés, la chance d'offrir un monde meilleur aux générations futures. Et ce succès, parce que c'en est un, nous incite à prendre conscience du besoin de solidarité dans la réponse aux enjeux communs. Je pense évidemment à la gestion des flux migratoires et à la lutte contre le terrorisme, mais aussi au développement, à l'éducation, aux droits fondamentaux, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons aussi été capables d'arrêter la course de l'Iran vers l'arme nucléaire en alliant nos forces pour un accord équilibré par la voie de la négociation. Eh bien, cet accord a été trouvé. Il faut le respecter. Il est essentiel de mettre en œuvre les engagements pris de part et d'autre et d'encourager l'Iran à devenir un acteur responsable dans la région. Oui, le monde dans lequel nous vivons appelle un nouveau regard. Alors que certains évoquent le retour de la guerre froide, je pense au contraire que le temps des superpuissances est révolu. Elles ne peuvent plus faire de notre monde leur terrain de jeu. Elles ne peuvent plus dessiner et redessiner à leur guise les frontières, notamment ici au Moyen-Orient. L'avenir de nos sociétés ne se décidera pas sans elles. Nous ne devons pas attendre un hypothèque Yalta ou un nouveau Sykes-Picot qui serait imposé aux populations arabes et à leurs dirigeants. Une telle méthode n'est plus aujourd'hui possible. La réalité, c'est que la France, l'Europe et le monde arabe sont intimement liés. Et progressivement, cette réalité s'impose à nous. Elle découle de cet espace partagé, ouvert, un espace d'échange sillonné par les hommes et dans lequel s'est forgée, en dépit des vicissitudes de l'histoire, une communauté de destin. Cette communauté de destin s'incarne en particulier dans la relation que la France entretient depuis toujours avec le monde arabe. C'est une relation ancienne, multiple, complexe, que l'on ne peut réduire, comme certains voudraient le faire, à ses seuls volets économiques et militaires. Cette vision est erronée et ne rend pas justice à la profondeur de nos liens, ni à la richesse de notre histoire commune. Daesh voudrait faire de la France l'ennemi du monde musulman. Ce discours vise bien évidemment à nous séparer. Le terrorisme aveugle, promu par cette organisation et les réactions populistes qui l'attisent, n'ont qu'un but, nous entraîner sur le terrain de l'affrontement des civilisations dans un manichéisme dévastateur qui voudrait opposer de manière inéluctable l'Orient et l'Occident. La France refuse cette opposition, aussi factice que fatale. Elle connaît notre histoire commune et elle sait qu'elle constitue un socle solide sur lequel il est possible de bâtir ensemble. Dans moins de 2 semaines se tiendra à Abu Dhabi la conférence sur la préservation du patrimoine culturel en péril. Voilà une illustration concrète de cette communauté de destin. Voilà une preuve de notre capacité à relever les défis et à conjurer les menaces de ce siècle. Ma conviction, c'est qu'il est possible
est nécessaire de construire une relation confiante entre l'Orient et l'Occident. En tout cas, c'est notre responsabilité commune. La France et le monde arabe ont une voix à faire entendre et aussi une expérience à partager. Fort du chemin parcouru ensemble, il leur appartient d'orienter résolument leur partenariat vers l'avenir. Je pense naturellement à la jeunesse. Le monde arabe connaît une vitalité exceptionnelle. Ces jeunes sont nombreux et aspirent à un avenir meilleur. Notre premier devoir est de leur faire confiance et de leur permettre de réaliser leurs projets. En 2011, la jeunesse arabe a fait entendre sa voix. Son message était clair et nous ne l'avons pas oublié. L'émancipation des peuples est une source d'énergie considérable, une force et une promesse pour l'avenir. Voilà pourquoi, avec les autorités du Qatar, nous avons décidé d'apporter tout notre soutien, notre appui au gouvernement tunisien. Le succès de la Tunisie démocratique est le plus beau message d'espoir qui puisse être adressé aux jeunesses de cette région. Ce succès passe par une reprise économique qui donnera à chacun ses chances, sa dignité, son avenir. Car c'est bien dans cette jeunesse qu'il faut investir. Investir massivement dans la connaissance et la culture, dans la transition énergétique, dans la diversification et la modernisation économique. C'est ainsi que le monde arabe pourra assurer son avenir. Les exemples ne manquent pas des programmes Vision 2030 mis en œuvre au Qatar et en Arabie Saoudite, au modèle de ville durable à Masdar, aux Émirats Arabes Unis ou au programme Tardiz en Oman. Tous ces projets, puis tant d'autres, sont la preuve éclatante de ce que le monde arabe et le Golfe en particulier ne manquent pas d'ambition et d'innovation. La France se tient à vos côtés et est prête à contribuer à votre réussite. Elle est prête à inscrire sa coopération dans le cadre de cette nouvelle approche que vos pays développent avec chaque fois la volonté de se doter d'une industrie locale, d'infrastructures efficaces et modernes, de favoriser l'accès de la jeunesse au marché du travail. Excellences, mesdames et messieurs, l'ambition du Qatar et des autres pays du Golfe ne doit pas nous faire oublier les tensions qui traversent la région et excellences, vous venez d'en parler il y a quelques instants. Les drames qui secouent la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Irak, les différences entre islam chiite et islam sunnite que les radicaux de tous bords souhaitent ériger en une véritable fracture. Oui, ces crises ébranlent le Moyen-Orient et freinent son développement et son intégration économique. Membre permanent du Conseil de sécurité, la France s'engage et assume ses responsabilités avec deux convictions fortes. La première est qu'il n'y a pas de contradiction entre la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme. Les groupes terroristes prétendent abolir les frontières et souhaitent imposer partout leur logique totalitaire et destructrice. À cet universalisme de la terreur, la réponse de la France, c'est celle de l'universalisme des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La lutte contre les discriminations et les inégalités, la promotion des droits civils, politiques et sociaux, de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'affirmation de la liberté de conscience et d'expression sont nos meilleures armes contre l'idéologie obscurantiste et mortifère que prônent Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram et leurs avatars. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde arabe et partout où ces mouvements nous ont déclaré la guerre. La seconde conviction est qu'il existe un point commun à toutes ces crises. Aucune ne pourra être réglée par la seule option militaire. Toutes appellent une solution politique qui ne peut résulter que de la négociation. Le dialogue, la diplomatie, la confrontation des idées, c'est ainsi que nous sortirons des impasses dans lesquelles la logique de la force nous a bien souvent conduit et que nous ouvrirons des perspectives de paix réelle et de paix crédible et de paix durable. Mesdames, Messieurs, nous assistons en Syrie à la plus grande catastrophe humanitaire de notre temps. Le peuple syrien est pris en étau, supplicié d'un côté par un régime barbare, acculé de l'autre par des groupes terroristes dénués de tout scrupule
et de toute conscience humaine. Depuis 2011, le conflit a provoqué la mort de plus de 300 000 personnes. La moitié de la population de ce pays est réfugiée ou déplacée. Cet enchaînement tragique se déroule à nos portes. C'est un cercle vicieux que les soutiens de Damas nourrissent en connaissance de cause, pour amener la Syrie à un face-à-face morbide entre deux impasses, celle du régime et celle du terrorisme. Ni le régime d'Assad, ni Daesh, ni al-Nusra ne respectent les principes les plus élémentaires du droit international, humanitaire et des droits de l'homme. Et certains prétendent qu'il y aurait, au fond, qu'à choisir entre deux maux, c'est-à-dire le moindre, mais confier au régime de Bachar el-Assad la tâche de nous débarrasser de Daesh. Nous savons que rien n'est plus faux que cette logique délétère consistant à exonérer de leurs crimes ceux-là même qui attisent par la barbarie d'État la barbarie terroriste. Cette erreur est une erreur non seulement morale, mais c'est aussi une erreur stratégique. Et j'invite à ne pas commettre cette erreur. Il est encore temps. La France a proposé des solutions qui s'inscrivent dans le cadre fixé par les décisions du Conseil de sécurité. La résolution que nous avons portée pour mettre fin au martyr d'Alep n'a été bloquée que par un seul veto russe. Alors chacun doit prendre désormais ses responsabilités. Et nous devons faire plus pour maintenir une alternative au pouvoir sanguinaire de Bachar el-Assad. La France continuera d'œuvrer pour que le peuple syrien puisse enfin vivre en paix. Elle continuera à tenir ce langage de vérité à ses alliés, à résister à la tentation de baisser les bras et aussi, parce qu'elle existe, de détourner le regard. Et le retour de la paix en Irak est également capital. La reprise de Mossoul, puis de Raqqa, en Syrie, des mains de Daesh, privera bientôt, je l'espère, ce pseudo-État de son assise territoriale d'où il a distillé en Irak, en Syrie et jusqu'en Europe le poison de son obscurantisme et sa folie meurtrière. Mais cette victoire devra nécessairement être suivie d'une réconciliation plus large. Les fractures attisées au Moyen-Orient ne reposent sur aucune base idéologique ou religieuse et sont instrumentalisées. Beaucoup dans la région et à l'extérieur sont tentés par l'amalgame et la simplification, mais la peur est mauvaise conseillère. Nos efforts doivent tendre vers la réparation du lien entre les communautés. Nous croyons que cela signifie quelque chose en Irak d'être irakien, que cela signifie quelque chose en Syrie d'être syrien ou au Qatar d'être qatarien. La remise en cause des frontières est un jeu dangereux. Quelle alternative offre-t-elle aux citoyens arabes, sinon l'effritement du lien social, la promotion de logiques identitaires, ethniques, religieuses, toutes réductrices, toutes destructrices, et qui aboutissent, en fin de compte, à la guerre de chacun contre tous. Les territoires libérés de Daesh doivent être des exemples de coexistence pacifique et de gouvernance respectueuse de la diversité. Car j'en suis sûr, les musulmans, les chrétiens d'Orient, les juifs, les minorités ethniques ou religieuses, quelles qu'elles soient, peuvent vivre ensemble dans un Moyen-Orient en paix, comme elles l'ont fait par le passé. La gestion de l'après Daesh, qu'il faut préparer absolument maintenant, doit permettre de traiter le mal à la racine en asséchant le terreau sur lequel ce monstre a pu prospérer. Je n'oublie pas non plus le conflit yéménite qui a jusqu'à présent fait plus de 7000 morts et 37000 blessés. Ce sont 21 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance médicale, 3 millions d'une aide alimentaire immédiate. La France est très préoccupée par les récents développements sur le terrain. Elle condamne les attaques contre le territoire saoudien qui menacent la stabilité régionale, tandis que les violences se poursuivent et que la situation humanitaire se détériore. Il est urgent que les parties parviennent à s'entendre sur une sortie de crise, qu'après le cessez-le-feu,
cessent leurs attaques contre des civils et contre d'autres États. Seule une solution politique, celle que portent aujourd'hui les Nations Unies, pourra mettre fin durablement à ce conflit. Mesdames, Messieurs, la stabilité de la région, la paix et la sécurité passent aussi par un règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien. Vous y avez fait également référence, Excellence. Nous le savons, le statu quo actuel est un leurre. Sur le terrain, la situation se dégrade de jour en jour. La poursuite de la colonisation et l'absence de toute perspective politique rongent les espoirs des deux peuples. Elle nourrit les frustrations qu'exploitent ceux qui, dans les deux camps, veulent enterrer la situation de deux États. Eh bien, nous, la France, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas nous résigner à cette fatalité. Nous allons donc poursuivre nos efforts. Et l'initiative que nous avons lancée le 3 juin dernier, notre constat est inchangé, tout comme notre objectif, l'organisation d'une conférence internationale qui doit permettre d'envoyer un message en faveur de la paix, de réaffirmer l'attachement collectif à la solution de deux États et de montrer ce qu'elle apporterait aux Israéliens comme aux Palestiniens. Notre démarche n'est pas unilatérale. Elle n'est pas guidée par l'ingérence. Elle est au contraire collective. Elle est lucide et déterminée, car l'enjeu est essentiel, d'abord pour Israël et pour la Palestine, mais aussi dans toute la région et au-delà. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs-d'œuvre de la civilisation islamique, de Cordoue à Samarcande, ces chefs-d'œuvre que l'on peut admirer ici au musée d'art islamique de Doha, montrent tout ce que le monde arabe a apporté à l'humanité. Ce qui frappe l'esprit, c'est que ces chefs-d'œuvre nous sont familiers. Ils nous parlent et nous touchent, nous, Européens, car ils sont aussi une part de notre histoire. Ils sont le symbole de cette communauté de destin que je viens d'évoquer au cours de ce propos. Ce qui se joue aujourd'hui en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, ces spasmes qui secouent le Moyen-Orient sont sans doute le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés au cours de notre longue histoire commune. De la réponse que nous apporterons à ces crises sans précédent dépendra bien sûr l'avenir de cette région et l'avenir de l'Europe. Mais le défi dépasse largement nos frontières. Il touche la communauté internationale dans son ensemble, car il met à l'épreuve notre responsabilité et notre capacité à agir collectivement. Aux prophètes de malheur, à ceux qui ne croient qu'à la force, la France oppose une autre conviction qu'elle porte sans relâche. Il n'y a pas de fatalité au Moyen-Orient. La guerre n'est pas inéluctable, pas plus que l'instrumentalisation des conflits par ceux qui voudraient faire de cette région le terrain de leur rivalité. Notre responsabilité, c'est de tout faire pour démontrer qu'il existe une voie de paix, celle qui oppose aux forces d'oppression et de destruction la force du dialogue, de la négociation et de la réconciliation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Now, ladies and gentlemen, this closes the formal opening session of the 9th edition of the WPC. So we will take just 2 or 3 minutes to allow His Excellencies, the Prime Minister, Minister Ayrault, to leave the room, and then there will be a special address of former Prime Minister of Turkey, Mr. Ahmet Davutoglu. I'm sorry, because my Turkish pronunciation is even worse than my Arabic one. But if I may say so, you are a very old friend of IFRI, Mr. Prime Minister. So just don't move. Only those who have to leave the room will leave the room, and then Mr. Ahmet Davutoglu is going to take the floor. Excellencies, thank you so much once again.